Bonjour, bienvenue au centre du Thouars, situé à Saint-Léger-des-Vignes. Je suis Jean-Claude Loriot, président de la communauté de communes entre Loire et Forêt. Cette année, le Thouars fait une exposition temporaire sur l'époque 14-18, mais en retraçant surtout la vie quotidienne des gens, ce que ça a apporté comme modification dans le travail des femmes, par exemple. C'est-à-dire que ça a été le début de leur participation à la société industrielle. Et vous pourrez y voir des objets aussi qui reviennent du front, qui ont été sculptés, forgés par les soldats. Aussi des écrits concernant l'école, concernant tout ce qui se passait dans la région, et des photos qui retracent l'histoire de l'époque avec les modifications, les hôpitaux de campagne improvisés, les camps de cavalerie à Sougy. Donc on a mis toutes les communes aux alentours à contribution pour réaliser cette exposition. Alors, le Thouars, c'est aussi une exposition permanente qui est renouvelée tous les ans, parce qu'elle se base sur des projections vidéo avec un automate qui concerne là toute l'histoire de la batellerie en particulier, du tourisme fluvial, l'histoire du pôle Confluence, avec un ensemble qui donne une vue sur la Loire, sur Decize, qui permet de se replonger dans ce milieu phénoménal qui est la Loire et ses affluents. Je ne peux que vous inviter à venir nous rendre visite, et après, si vous avez un peu de temps, rendez-vous au musée de la mine par la véloroute et vous compléterez l'histoire de notre patrimoine du début du XXe siècle.